Salut à tous, aujourd'hui je vais vous parler de la Zorin OS 9 en release candidate. Zorin OS c'est une des 70 et quelques dérivées d'Ubuntu. Comme d'habitude, vous verrez l'article en relation avec la vidéo dans le descriptif. Donc en gros, vous prenez la base d'Ubuntu 14.04 LTS, vous rajoutez les technologies GNOME Shell, vous donnez l'apparence Windows et vous avez la Zorin OS. Je simplifie, mais vous allez voir, c'est ça. Donc, on va démarrer le bousin. Donc, à faire, on va passer en plein écran. Donc, déjà, il faut aimer le bleu. Ce n'est pas le bleu, ni le bleu, ni le blanc. Donc, le bleu et blanc, fiche l'écran en vitesse. Donc, j'avais déjà parlé de la Zorin, mais à l'époque de la 8, qui refusait désespérément de s'installer. Elle plantait juste après la récupération des packs linguistiques. Celle-là, apparemment, ils ont réussi à la faire fonctionner. Il y a du progrès, c'est déjà pas si mal que ça. Donc voilà, on est avec LightDM, qui est en franglais. Je me connecte. Donc vous allez voir, c'est vraiment en apparence à la MS Windows. Je ne sais pas si c'est lié à la machine virtuelle, mais l'interface est d'une lenteur à s'afficher, même si la mode est plus rapide. La preuve, voilà. Alors normalement, sur le côté droit, il devrait y avoir l'heure, il devrait y avoir pas mal de petits trucs qui n'apparaissent pas. Là, le menu qui dit « Attends, je réfléchis, j'arrive », le menu Zorin. Donc apparemment, il devrait y avoir l'heure, je ne l'ai pas, c'est peut-être un bug de la machine virtuelle. C'est un peu en franglais. Donc le menu Zorin, le voilà. Donc déjà, c'est très bien, c'est pas du tout lent l'affichage. On va dire, on va mettre ça sur le dos de la machine virtuelle. Donc, c'est un menu classique, la Windows classique, avec bien sûr LibreOffice, tout ce qu'il y a de plus classique. Outils Internet, c'est par défaut Google Chrome, donc respect pour l'utilisateur. Je parle après du Zorin Web Manager, Web Browser Manager. Ce qui est bien, il y a deux paquets, administration et paramètres système. Donc déjà, c'est très pratique, parce qu'administration, c'est ça. Vous voyez, les paquets synaptiques, les mises à jour, Gparted, utilisateur et compagnie, et si on va dans les paramètres système, c'est le pack GNOME de GNOME Shell. La preuve, Zorin OS 9, pour moi ça ressemble à du GNOME Shell revampé. C'est pas l'interface de GNOME Shell, à moins la peur. Enfin, le panneau de. Bon, il n'y a pas grand chose à rajouter, c'est les trucs habituels de. GNOME Shell avec des fenêtres qui font penser un peu à celle de Windows 8.x. Logitech, c'est l'Ubuntu Server Center. Il y a Winé avec Winetrix et Play on Linux. Tiens, ils n'ont pas rajouté Steam. Bon, ah, je vais vous montrer le Zorin Browser Manager, Web Browser Manager. En gros, c'est un peu comme l'outil qui permettait, enfin qui permet à l'époque, qui permet de gérer les navigateur internet. Bon, mais déjà c'est en anglais, c'est problème. Donc on va essayer d'installer Opera. On va voir ce qu'il va nous dire. Je sais plus comment ça s'appelle, je crois que c'est Windows, c'est l'outil de choix de navigateur, en tout ce style. Donc pendant qu'il travaille, on va voir, on va faire un petit tour des outils proposés. Donc là, je suppose que ça va être Nautilus 3.12, pas 3.12, 3.10 plutôt. Ouais, c'est 3.10, donc c'est bien un GNOME Shell en dessous. Donc, bon point, c'est francisé. Par contre, les effets graphiques, on aurait pu s'en passer. Vous comprenez, vous comptez pour, je vous montrerai pourquoi plus tard ça ne passe pas ça. C'est très de comprendre. Parce qu'Opera n'existe plus pour Linux, même si c'est une version alpha qui est sortie récemment, mais bref. Donc là, bon, c'est tout classique. Donc, si vous voulez rire à bon coup... Oh, il est en train de télécharger. Donc, vous allez comprendre pourquoi... Allez, vas-y, rame. Ah, c'est bon, vas-y. Tu vas y arriver. Non, c'est vrai que c'est horriblement lent. Je ne sais pas si c'est lié à la machine virtuelle, mais j'avoue que je n'ai pas testé sur une vraie machine.
J'ai pas eu envie de martyriser un de mes ordinateurs. Donc je ne sais même pas quel logiciel de navigation, enfin de logiciel de gestion audio. C'est la surprise du chef. S'il veut bien. Donc là, l'Oxygen, c'est pas ça que je voulais. Non, on va annuler parce que ça commence à m'énerver là. Voilà. Et bien sûr, il a planté. Voilà, déjà, vous voyez la solidité de l'ensemble. Je veux bien que ce soit une release candidate. Oh là 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 là. Ah, c'est le logiciel musique. Je ne connais pas, ça sera sûrement un outil de Elementary OS. Ouais, c'est Elementary OS. Donc, ça reprend l'outil d'Elementary. Il faudra un jour je teste quand même. Bon, ça, c'est planté. Pour s'acquitter. Donc, vous voyez, c'est déjà très rapide. On peut se faire un café presque autant que le menu démarrer s'ouvre. Enfin, le menu Zorin s'ouvre. Donc, on va aller. Look Changer, je vais vous montrer ça. Voilà. Donc là, Windows 7, XP ou GNOME 2. Donc on voit déjà très bien que c'est pratique. Donc je n'ai même pas envie de changer parce que j'ai pas envie de redémarrer l'ensemble. Donc c'est dans Outils Système. Le thème, c'est l'exceptionnel de thème parce que Zorin à une époque était payante pour certains thèmes. Maintenant on peut choisir. Donc vous voyez, il y a beaucoup de choix. Il y a trois thèmes. C'est jamais que rien, vous me direz. Alors j'essaie d'appliquer le dark en espérant que ça ne plante pas. Mais je sens que c'est parti pour planter. Super, il est passé en noir. Ah ben d'accord, j'ai compris. C'est un problème du thème pour qu'il n'affiche pas l'heure. Super, ben déjà le thème par défaut est planté. Et n'est pas fonctionnel. On voit déjà le boulot, enfin on voit déjà le respect de l'utilisateur. Obligé de changer de thème pour avoir l'affichage des données ici. Terrible. Donc là, on va aller dans les outils système. S'il veut bien avancer. Apparemment, changer de thème, ça fait planter l'ensemble. Ah. Mais c'est pas ça que je voulais. Ah, j'ai rien à faire des statistiques d'alimentation. Alors, outils système. Je crois que c'est dans administration. Et vous allez comprendre pourquoi cette distribution est un peu surchargée. Si Synaptic veut bien se lancer, il y aura du progrès. J'ai demandé le lancement de Synaptic, merci. Voilà, ça y est. Non mais c'est un truc à s'arracher les cheveux, quoi. Je veux bien que les machines virtuelles ralentissent. Ah d'accord. Bon. Oh, c'est pas vrai, Opera s'est installé. Alors je demande même pas. Alors ça s'est installé, mais je suppose que c'est une version 12. La 12 étant la dernière version 12.16 ou 17, qui est la dernière version d'Opera qui est disponible pour Linux actuellement. Enfin, en version stable. On va savoir ça tout de suite. La version définitive, la version d'Opera, c'est là. Je crois la 19 ou la 20. Ouais, la 22, enfin je sais plus, ça avance tellement vite. Alors, ordinateur. J'ai dit, non, pas pour Linux, c'est pour Windows. Le dernier Opera pour Windows, entre le 22 de mémoire. Téléchargement gratuit. C'est 22. Donc vous voyez déjà, il n'y a que 10 personnes de retard pour Opera pour Linux. Donc là, on va repasser par Synaptic. Paramètres. Eh zut, c'est pas celui que je voulais lancer. C'est outil système administration.
C'est très pratique, comme vous pouvez le constater. Ce qui est bien, c'est qu'on ne perd pas sa patience à lancer les logiciels. Ça n'a pas des envies de meurtre. Bon. On va le lancer à la mimine. Accessoire terminal. Un truc marrant, c'est que j'ai le clavier français ici, mais là, je l'ai en anglais. Ah non, il est en français. Autant pour moi. Dans mes tests précédents, il était aussi en anglais, donc je vais lancer Synaptic. De pain de commande. Voilà. Ferme ta bouche. D'accord, donc on va le mettre ça. S'il n'est pas content, on va demander ce qu'il nous. Mais regardez-moi ça, cette lenteur. Je veux bien. Que la machine virtuelle ralentisse, mais à ce point, je tiens à préciser que les extensions VirtualBox sont installées. Donc ce n'est pas une raison de lenteur. Allez, mais avance! Donc apparemment les mises à jour que j'ai faites entre-temps ne s'est pas fini complètement. Mais si c'est une RC, c'est une bonne. Ce serait plus pour moi une bêta qu'une version Release Candidate. Parce que vraiment. Et de quoi avoir envie de lui taper dans la tronche. Allez, avance, bon sang! Donc, on va relancer la commande. Non, mais vous comprenez pourquoi j'ai précisé dans l'article, si vous voulez une bonne distribution basée sur Ubuntu, foncez sur la Mint. Parce que là, je commence à perdre un peu patience. Bon, mais je vais passer, je voulais vous montrer la liste des dépôts. Je vais carrément passer par là une commande, ça sera plus rapide. Parce que vous allez voir quand même que le source.list, liste des dépôts installés, est assez coriace. Le plus simple, ça peut être passé par. Par nano qui permettra de mettre en couleur les entrées. Voilà, c'est quand même bien plus visible. Bon. Manual Restricted, Universe, donc c'est bon. Par contre, je crois que c'est après que ça va se gâter. Les backports, alors que les backports ne sont activables que quand la version suivante est arrivée, à savoir, ils ne seront pas activés avant la sortie de Utopic Unicorn qui sort en octobre prochain. Alors ça. Ah, il va y avoir des petits trucs aussi là, derrière. Donc on va faire. Est-ce qu'il y a Minute Commander? Est-ce qu'il a fini l'autre? Parce que là. Ok. Je vous le montre quand même parce qu'il y a pas mal de petits dépôts qui sont rajoutés à l'ensemble. Vous voyez quand même, c'est une distribution qui vous fait arracher les cheveux pour le moindre truc. Elle a une lenteur, mais. On va vérifier, tiens, en attendant, en espérant que ça ne ralentisse pas trop, que tout est bien en français, côté outils bureautiques. Je t'ai dit dans ce.
Bon, ben voilà, ça a planté. Donc, je suis obligé de tuer carrément la session et de perdre tout ce que j'ai enregistré. Merci à la RWinOS. Non, c'est bon. Voilà, je redémarre Gnomi en espérant que tout a bien été enregistré. Allez, redémarre. Ce qui en dit long sur le niveau de pourriture de la distribution RWinOS, quoi. Voilà. Je vous laisse. À plus.